Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Octopath Travelers 2. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons continuer notre aventure sur le jeu. Nous explorons ces ruines paisibles, apparemment. Il y a quoi là? Il y a une fresque. Il y a quelque chose. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, ces ruines. Il y a des monstres élémentaires qui sont quand même forts, au niveau 45, mais on arrive à gérer à peu près. C'est un peu compliqué pour Oswald, Throné et Agnea. Heureusement que Kikari est là. Throné fait pas mal de dégâts. Il est vrai, mais Oswald a peu de PV. Parce qu'en fait, Throné, elle a quand même plus de PV qu'Ikari. Lol. Actuellement, oui, mais en vrai, non. Et du coup, est-ce que je fais un soin pour tout le monde comme ça? Non, c'est con. Hein. Plutôt faire ça. Et on va utiliser Ikari qui se soignera lui-même. Il a Potiker, Ikari. Pas l'oublier, ça. On a tendance à l'oublier. On va faire l'attaque sournoise, hein. T'attaques pas deux fois l'épée, on est d'accord? Non. Juste faire ça. T'es que deuxième. C'est pas fifou, mais c'est quand même pas mal. Après, ils craignent l'épée les deux, donc autant faire ça, je crois. Autant vraiment faire ça. Et toujours pas inverser les lames. Hein. Bien joué. Bien joué, moi. Hop. Ça sert à rien, toi. Tu ne sers à rien. Si ça servait à rien, tu vas faire ça. Là, tu vas servir à quelque chose. Je vais le faire de l'autre côté. J'aurais dû le faire de l'autre côté. My bad. Ok, nice. Ça, c'est bien. Du coup, je peux faire aptitude voleur. Je peux faire vif pas. Elle m'embête, Agnea, à être plus rapide que Throné. Faire la frappe ou le lame. Paf, paf. Ah, c'était pas tant que ça. Je pensais que ça ferait plus, voyez. Agnea, tu peux pas donner des... pas donner les péter, hein. Ça sert vraiment à rien. Hein. Oh, ça sert vraiment à rien. Ça fait quoi ça déjà? Réduit la puissance d'attaque physique d'un ennemi. Réduit la défense physique d'un ennemi. Ça c'est fort contre les boss en fait. Lance une attaque à l'épée. Lance par deux fois une attaque à la dague vers un ennemi. Mais celle-là on connaît. Le jugement des bers. Utilisable uniquement au niveau maximal. Lance une puissante attaque à la dague et sur tous les ennemis, les dégâts dépendent de la vitesse de l'attaquant. On va tester. Ah ouais! Ah ouais! Pas mal. Ah ouais! Ok, je m'attendais à 1500 dégâts quoi. Pas mal. Après, c'est une aptitude divine, mais par rapport à ce qu'a fait Ikari, par rapport à ce que faisait Ikari, bah, avec une lame de brande, bah là, c'est pas dégueu. Y a rien ici, y a vraiment que dalle. Ça dit, y a même pas d'autres. Ouais, ça ne m'indique pas d'autres points de télépo- de sauvegarde. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien. C'est bizarre. Il ne peut pas juste y avoir une grotte paisible où il n'y a rien dedans. Il y a forcément quelque chose, non? Tempête d'ombre, ça, ça pique un peu. Est-ce que ça va faire des dégâts? Avec Harry, on l'a pas soigné. Ça, c'est très con. Ça sent la douille, là. Ouais, ça sent la mort, là. J'aime pas ça du tout. N'aime pas ça du tout. On va se soigner, les copains. Hop. Craigne la dague. On va faire une aptitude à prise. On va faire un petit tranchage triple là. Ptou. Comme ça, on s'en débarrasse. Est-ce qu'on va mieux faire ça? L'autre, elle peut faire une danse. Faire ça.
Danseur, on va faire tous les ennemis à la dague. Hop. Attends, on peut faire un petit vif pas. Petit vol de PV. Ça, tu perds aussi ta garde. Paf paf. Ça, c'est pas dégueu. Toi, tu sers pas à grand chose, donc juste. Tu vas faire ça. Bye bye. Ready. Petite voleur. Mais ça me donne presque envie de le garder juste pour ça. Hein. Donc on va faire un vif pas, une fois de plus. Je pense que throner en chasseur, ça pourrait être vachement bien. Avec la compétence qu'a... qu'a Hochette. Qui augmente la vitesse. Les dégâts, ça fait un peu tout. C'est pas dégueu. Je pense que ça peut être pas mal. On va peut-être l'enlever de la classe guerrier pour la mettre chasseresse. Parce qu'il y a encore... ouais, bah, le voleur a de base l'épée, donc pas besoin de faire autre chose. Ça pique. Ça pique. Non. Ah, j'ai pas les pété. Ça c'est pratique. Alors ça coûte cher, mais c'est super fort. C'est super fort contre les ce genre de trucs. Il faut que je mette des, faut que je donne avec Agnea des PE à trôner, hein. Attendez, on va se soigner 2 minutes. Hein? Il faut que je rachète des trucs qui rendent des pétés. Hein. Rendent des pétés à tous les alliés. J'ai vraiment plus de pétés là. J'ai vraiment plus rien là. Il faut que j'en rachète. Il faut que j'achète des prunes. Mais il y a vraiment que dalle. Il y a que des coffres. Y'a vraiment rien d'autre. Confiture revigorante. Ouais non mais on fait tout ça pour un coffre quoi, sérieux? Deux combats pour un coffre? J'aurais pas dû aller là-dedans. Hein. Je commence à regretter légèrement mon choix. Tu suis une marchand. Là je t'en donne deux. Passe à 3. Ouais c'est parti, Sio. Qui est vraiment bien parce que comme ça on peut en mettre 4 d'un coup. On est déjà au max. Ah non, ça marche. Hein. Ça marche. Bah en vrai, on n'a pas fait le vif pas avant. Ça fera moins de dégâts. Ouais, ça fait que 3000. Ah le vif pas, ouais, le vif pas est très intéressant à faire avant du coup. Ok, je prends note. Il faut faire le vif pas avant. Sinon on perd en intérêt. Zut. Ok, craigne l'arc. Ok, donc faut faire le vif pas avant. Comme ça, Throner, elle peut avoir ça. Ah, le don de PE, par contre, il peut être intéressant à faire sur tout le monde. Ça marchait, ça? Non, ça n'avait pas l'air d'être le cas. C'est que pour les ennemis, du coup. J'ai l'impression. C'est un peu dommage. Ok, ils craignent tous la foudre. Après, je peux peut-être juste taper à l'épée. Hein. Paf. Paf. Un moment. Ouais, le don de PE ne marche pas. Donc ça me... l'ensemble des cibles, ni celle qui s'applique qu'à l'unité. Pourtant, don de PE, c'est... ça qui est bizarre. Ça marche pas avec don de PE. C'est honteux. Ça devrait fonctionner. Ils ont nerf.
Ils ont nerf la combi. Ah ok, d'accord, je pensais pas que ça craverait, vous voyez. Bah il a peut-être moins de PV que prévu alors lui. On peut faire un déchaînement d'élémentaire. Il craint le feu également. Paf. Le vieux coup de baguette. La puissance de l'attaque physique d'un allié, ça peut être pas mal hein, de faire ça. Faut vraiment que j'ai un meilleur quelque chose parce que purification c'est bien mais pas très utile. Je crois pas qu'il y ait besoin de faire plus. 12 000. Ouais. Un poil overkill, mais ouais. Et du coup, ça marche bien de buffer les dégâts. Hein. Ça marche bien. On a pris 3 niveaux sur cette zone. Hein. C'est quand même intéressant. Faut juste pas mourir maintenant. Faut juste pas mourir. On nous reste... Ouais, ça devrait aller. On va quand même juste soigner... Aenea. On reste dépété. Ok, il y a deux chevaliers. On les attaque par surprise, ça c'est pas cool. Parce que ça pique. Mais c'est Ikari qui prend l'aggro, donc ça c'est plutôt cool. En vrai. Marchand. Je peux faire un don de PE à Ikari. Non, plutôt Oswald, non. Ah non, Ikari. Ikari va faire tchac 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 avec l'épée et puis c'est bon. Il va en faire du beurre. Hein. La taille agressive là. Faire pareil avec Throné. On s'est raté. C'est dommage. Ouf. Oula, il y a la mort subie bientôt là, non? Exaltation. Ok, non. Pardon. On va juste faire ça, comme ça il rattaque pas l'autre là. Attaque sournoise. Paf! 1000. Ouais. Faire une petite danse. Mais purifie Oswald. C'est quoi cette arnaque là? Je crois qu'il vaut mieux juste que je fasse ça. Ils ont pas mal de PV hein. Ça pique. Aïe. C'est pas cool ça. On va faire la ruade. Paf. On va faire la taillade. Arrête de rater tes premiers coups. Ça c'est pas cool. On va faire aptitude de apothicaire, art curatif. Ça lui se fait raise. Il arrive en fin de tour, ce qui est plutôt bien pour nous. Sud voleur. On va lui faire l'attaque sournoise. Hein. 2000. C'est pas trop mal. Je fais un don de PE. Je peux faire un don de PE. Est-ce que je fais aptitude juste paf paf? Je pense que ça c'est pas mal. Comme ça Oswald je peux faire
le feu. Les deux ils clament. Paf. Il y en a un qui crève, c'est encore mieux. Là je peux faire ça. Je peux faire soin des blessures. Ça, tout le monde il est full life quasiment, à part Ikari évidemment. Toi tu donnes un coup d'épée hein. Ça monte des dégâts, il est vrai. Bon Ikari, t'as ton tour. Pas... Il est pas mort? Oh non. Oh non, il est pas mort. Paf paf. Ça fait moins de dégâts hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. Pas tant que ça, mais quand même. Paf. Ça, ça fait rien. Allez, vas-y. Voilà. Hop. Normalement, on devrait gagner des niveaux là. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Froné qui passe 40, du coup c'est... Non, ils sont 41 je crois. Je crois que j'ai 41 déjà dans l'équipe. On retourne à l'entrée du coup. On va sauvegarder. Bah, il n'y a pas grand chose dans cette grotte paisible. Il doit y avoir d'autres trucs, mais on va s'en dérober pour le moment. Ça sera pas nécessaire de continuer. Je crois du moins. Nous avons un autre sauvegarde là. Ah. Bah non. Heureusement qu'on n'est pas dans la merde parce que... Sud danseur. Moitié les grâces déroutantes. Est-ce que j'ai envie de faire un don de PE à Froné direct? On peut, hein. Faut attendre un tour. Faut attendre un tour. Là, on se fait attaquer. Là, on fait vise pas. Là-dessus, l'érudit. Pendant deux tours, on peut faire ça. Vas-y, je t'enseigne. Regarde, tu peux faire ça. Ah ouais, trop bien. Et toi... Un petit coup d'arc. Piou. Waouh. Ce déluge de flèches. Incroyable. Alors, vas-y, prends cher. Et la frôner. Jugement d'Aeber. Vous allez mourir. 4000, 4000. Ouais, ceux qui sont en critique, ils se prennent 4000, sinon non. Paf. Oh, c'est raté. Oh, l'annule. Oh non, Oswald. J'ai un peu peur que si je fais pas... Ouais, mais en même temps... Je crois qu'Oswald il va pas gagner l'XP, c'est tout. Ok, non, il en reste un, parfait. Se mettre en défense. Toi, tu fais un dégât avec ça, donc tu vas pas mourir. Derrière Ikari, tu vas pouvoir le raise. Ça, il va pouvoir gagner l'XP. Et l'XP du combat niveau 45, c'est quand même pas dégueu. Et paf! Froné, ça fait des dégâts. C'est assez abusé. Enfin, c'est pas mal. Hein. On va pas se mentir. Mais je me demande si ça vaut le coup qu'elle soit épaisée du coup. Je suis pas certain. Je me demande si au niveau des classes, ça vaut même pas qu'elle soit autre chose. Perd un peu de PV avec ça, elle perd un peu d'attaque physique et de défense physique, donc ça c'est un peu con. C'est même complètement con. L'avantage c'est qu'elle gagne en attaque physique avec l'épéiste. Voilà, chasseur ça serait bien, je pense. Je pense
pense que chasseur, avec Throné, ça augmente sa vitesse, ça augmente son esquive, ça augmente ses coups critiques, ça diminue un peu ses PV, mais je pense que c'est vraiment fort d'avoir Throné en chasseur. Donc on va virer l'apothicaire de Castille chasseur. On va faire ça comme ça. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Plus ça lui donne tout le panel de la hache et de l'arc en plus, là où le voleur, le guerrier ne lui apportait que la lance. Je pense que c'est vraiment intéressant. Je suis pas sûr que prêtre ça marche bien en fait avec Oswald. En vrai c'est bien, mais ça perd le côté d'avoir... Après de toute façon ça va gicler à un moment ça, je pense. En apothicaire ça marche bien avec, avec Ikari pour le moment. J'ai pas besoin de changer. Aptitude, aptitude de classe. Toi j'ai pas beaucoup besoin de faire plus. À moins que je te mette quand même le soit le sceptre magique pour gagner des PT. Je veux bien te donner 100 pour le sceptre magique. En vrai. Toi t'as déjà tout. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je te donne des choses en chasseur en plus ou pas? En vrai, les compétences du chasseur sont nazes. Donc je crois pas que ça serve à quelque chose. Après celle-ci est forte. Ah non c'est la... Ah si c'est ça. C'est celle-là qui est forte. C'est celle-ci qui est forte. Ça augmente l'attaque, le machin. Ah mais non, c'est peut-être juste une aptitude spéciale. Ah oui, donc c'est Hochette qu'il faut que je mette en voleuse en fait. Pendant 3 tours, les aptitudes à cible unique d'un allié touchent tous les ennemis. Avec pas les aptitudes qui ne touchent que les personnages ou les personnages divines. Ah ouais, en fait ça revient à faire le X quoi. Est-ce que c'est vraiment bien ça? Les aptitudes à cible unique d'un allié touchent tous les ennemis. C'est quand même pas mal. C'était fort avec vol de pété à l'époque. Je sais pas si ça existait ça, mais je crois. Ça c'est pas mal. Type de soutien. Toi t'as besoin de rien de plus. C'est juste très fort comme ça. Soin accru. On va mettre soin accru hein, tant qu'à y être. Toi t'as rien de plus. Et toi t'as gratification, ok. Bon, au niveau de l'inventaire. Non, de l'équipement, pardon. On va juste te donner un arc. Lame d'Aegis. Ah, il préfère mettre la lame d'Aegis plutôt que la lame de gardien. Ah, ça augmente la vitesse. Eh ben oui, évidemment. La lame d'Aegis augmente la vitesse. Bah oui. Oui, effectivement. Clairement, du coup. Clairement, clairement, clairement. Combien de vitesse elle a, là? 307. C'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu. Ouais, tu mets quand même le tueuse d'ogre, mais d'accord. C'est vraiment pas dégueu là, du coup. Yep. Même si ça vaut pas le coup, en fait, je suis pas sûr que... Chasseur, c'est fort au niveau des stats pour le voleur, mais ça risque de partir à un moment. Alors que, au contraire, voleur avec Hochette, je pense que ça pourrait être très très cool. Désert sud de coup. Je pense que ça pourrait être très cool. C'est vrai, j'avais quelque chose à faire ici. Chapitre 5 d'Ikari. Ikari rentre à coup, afin de livrer son ultime bataille contre son frère aîné. Il a foi en ses amis et en son peuple, et en son désir de créer un monde sans violence où nul sang ne coulerait. Ikari dégaine à présent son épée, et se prépare à se battre pour faire de son futur idéal une réalité. Alors le truc, c'est que je sais pas si... le faire avec... l'équipe que j'ai actuellement est suffisant. Au pire, on changera d'équipe. Hein. Au milieu de l'histoire, hein. C'est pas grave. Me revoilà. Coup. C'est normal qu'on finisse par, enfin qu'on commence par finir l'histoire de Dicarien. Hein, en plus, je suis de retour avec mes compagnons. Oui, c'est un peu mort quand même ici. La taverne, elle fait pas beau à voir. Je dois y aller, Mika. Une autre bataille. Pourquoi as-tu l'air aussi triste?
Grâce à tes efforts, notre vie est plus aisée, c'est vrai. C'était les deux gosses, ça, non? Ils ont perdu leur... Ils s'étaient fait buter leurs parents, là. Leur père, je crois. Sous leurs yeux. Mais ce n'est pas ce dont je rêvais. Dans ce cas-là, dis-moi ce que tu veux, Mika. De bons repas, une belle maison, des vêtements de qualité. Cela était hors de notre portée avant, tu sais. Ce que je veux, c'est que tu restes avec moi. J'ai peur qu'un jour, tu ne rentres pas à la maison. Je te promets de toujours revenir, quoi qu'il arrive. Et je t'offrirai une belle vie. Tu seras si heureuse que tu en oublieras toutes nos souffrances. Lève les yeux, Mika, et regarde le ciel. Ritsu. J'espère juste que c'est pas Ikari qui va devoir le tuer, hein. Ah non. Général Ritsu. Carrément général, quoi. Vous m'avez appelé, votre majesté. L'armée rebelle de mon imbécile de frère a commencé à bouger. Dans ce cas, nous devrions renforcer les défenses du château. Bien, je vais confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Toi, reste avec moi. C'est un honneur, votre majesté. Tu as gravi les échelons jusqu'au grade de général en écrasant ce qui était sur ton chemin. Tu as maintes fois fait preuve de force pour en arriver là. Et comme toujours, les vainqueurs construiront des châteaux sur les cadavres des vaincus. Ah. Il a vrillé un peu, Ritsu. C'est bien celui que je pensais. L'heure est venue. Rassemblez-vous, mes compagnons. L'aigle vous attend au royaume de Ku. Nous sommes enfin prêts au combat. Mettons-nous en marche. Mais nous allons sauvegarder et nous arrêter là pour cet épisode d'Octopath Travelers 2. On se retrouve un peu plus tard dans la semaine pour la suite de ce chapitre d'Ikari, le dernier. Ce sera donc un peu plus tard. Je ne sais pas exactement quand. Encore, ciao ciao tout le monde et à la prochaine.